que nous puissions commencer ce temps qui est la deuxième partie. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voici, Seigneur Dieu, dans cette maison. Tu sais pourquoi nous sommes là. Et nous savons, Seigneur Dieu, que toi, tu es présent en ces lieux. Et à cause de ta présence, Seigneur notre Dieu, nous sommes là aussi pour te dire merci. Parce que tu es Dieu. Toi, notre Créateur, tu as toute souveraineté, tout pouvoir, toute puissance, toute autorité entre tes mains. C'est pourquoi, Seigneur, nous venons nous humilier devant ta sainte présence et te rendre toute la gloire. Amen. Seigneur Dieu, viens. Viens et sois avec nous pendant ce temps. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin que ta grâce, Seigneur Dieu, soit sur nous. Amen. Et que le Saint-Esprit soit à l'œuvre dans le cœur de chacun de nous, Seigneur. Amen. Pour donner la consolation que nous avons besoin. Amen. Merci, Seigneur, car c'est toi notre abri. Et nous venons, Seigneur, nous abriter sous tes aigles, tout sous, Seigneur Dieu, le sang précieux de Jésus-Christ. Nous voici, Seigneur Dieu, dirige-nous, conduis-nous pendant ces temps, Amen. Et que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Amen. Amen.
famille Kounou en mémoire de leur regretté fils, père, frère et oncle Jean-Pierre Nguama. Chères veuves et enfants, chers parents et amis et connaissances, c'est avec un grand regret qu'un certain 4 avril 2021 que la famille et les amis apprenaient la mort brutale de notre cher Jean-Pierre Nguama. Mais qui était Jean-Pierre Nguama? Il était né le 17 janvier 1961 en Caraïbe, dans le département de la Bouenza, de Feu Nguama Jean-Pierre, son père, et Feu Nsokonkaya Thérèse, sa mère. Jean-Pierre commença sa vie en tant qu'enfant auprès de ceux-ci. Après ses études jusqu'en classe de terminale au lycée Savonien de Brazza, Jean-Pierre embrassa le métier de transitaire auprès de son aîné Fidèle Mankou. Mais Jean-Pierre avait toujours l'ambition d'aller poursuivre ou parfaire ce métier à l'étranger. C'est ainsi qu'il profita des troubles sociopolitiques du Congo de 1993 et 1994 pour prendre le chemin de l'exil vers les États-Unis. Durant son séjour sur le sol américain, il resta attaché à sa famille biologique que nous sommes. La preuve, il fera un retour au pays natal en 2014 pour visiter les siens. Avec la disparition de Jean-Pierre Nguama, la famille reste affligée. Chères veuves et enfants, si lointain que vous êtes, la famille restée au Congo, pays natal de Jean-Pierre, le pleure et le pleurera toujours. À 60 ans, Jean-Pierre nous quitte trop tôt, alors que vous et nous avions encore besoin de lui, de toute son affection et son attention. Jean-Pierre, tu nous as quittés très tôt. Mais comme venait de dire le maître de cérémonie, c'est ainsi que va la vie sur cette terre des hommes. Que ton âme repose en paix. Adieu Jean-Pierre. Comme l'a dit maman Hélène, papa Mibali, les enfants ne sont pas là. Quelle douleur que ressent cette dame qui a accompagné Jean-Pierre jusqu'à aujourd'hui dans leur vie conjugale, qui ne va pas assister à la mise sous terre de son cher mari. Il faut prier pour cette famille-là, là où elle se trouve. Mais elle a pris son courage d'écrire le mot avec ses enfants. Et ce mot-là sera lu par une de ses nièces, Désirée Ndika. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers parents, chers amis, bonjour. Je tiens à vous remercier de votre présence pour la célébration de la vie de mon mari Jean-Pierre.
Jean-Pierre aimait tellement le vivre ensemble et au maximum. Il allait jusqu'à s'oublier pour aider les autres. L'une de ses phrases préférées était « Ça ne fait rien ». Il gardait difficilement rancune. Il aimait sa famille et ses amis. Il sera sincèrement regretté parce que c'est déchirant de savoir que mes enfants et moi ne le verrons plus jamais sur la terre des hommes. Comme nous savons que c'est le destin, ma famille et moi sommes certaines que par vos prières et votre soutien, nous aurons des jours meilleurs dans l'avenir. J'ai la ferme assurance que les souvenirs de mon précieux mari, ne s'effaceront jamais de nos mémoires et l'on retiendra de lui la personne merveilleuse qu'il a été. Mes enfants porteront toujours son précieux nom et nous parlerons de lui à sa grande progéniture à venir. Je vous remercie d'être à nos côtés, de près comme de loin, pour partager notre peine. Vous nous avez fait preuve de votre amour et de votre respect envers mon très cher mari. Vous y étiez là pendant les moments de joie et vous êtes encore là pendant ce moment de tristesse. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous rende au sanctuaire tous vos services à l'égard de mon mari. Je sais que nous trouverons la force de surmonter cette épreuve. Encore une fois, merci pour tout. La veuve Catherine Kamoto Mouama. Voilà, il a eu des amis depuis son arrivée ici aux États-Unis. Il y a une qui est là. Et il y a une autre personne qui est absente. C'est ainsi que je vais demander à cette dame de venir dire son nom. Excusez-moi, il y a longtemps que je parle français. Cela, j'ai écrit hier, mais maintenant, c'est un peu différent. Parce que premièrement, j'ai dit, le monde, il n'était pas un arbre pour mon ami Jean-Pierre, mais quelqu'un qui avait tous ses amis, tout le monde qu'il aime. Ça, ce n'est pas vrai. À mon première rencontre dans le centre de détente in Elizabeth, New Jersey, j'ai appris son histoire d'emprisonnement. Et même dans son pays natal, Congo-Brazzaville. C'était une histoire très difficile. Je l'ai visité chaque semaine. Et pendant 3 années, dans le centre de détente, son esprit n'était pas cassé, même qu'il ne voit pas jamais la lumière du jour, pas une seule fois. Je me rappelle ses visites avec Jean-Pierre, avec l'âme. Finalement, il arrive, le jugement. Mais il faut un ambassadeur congolais. C'est moi qui cherchais ce témoignage. Mais à ce temps-là, même que je suis anglaise, je ne comprends pas la colonisation,
le Congo belge et le Congo français. Alors, finalement, j'ai trouvé Georges Bakala, UN ambassadeur pour le Congo français. Jean-Pierre, il rit aux éclats pour ma méprise. Mais enfin, la liberté. Et maintenant, il faut dire que j'ai honte pour le traitement des réfugiés dans ce pays d'immigrants. Enfin, Jean-Pierre, il trouvait du travail. Il trouvait un appartement, il trouvait des amis, il trouvait famille. Si sa vie n'était pas tranquille, au moins, il avait la liberté ici et toujours l'amour de tous ses amis ici. En presque 10 années, j'ai soigné mon mari après un grand accident. Enfin, à son funérail, en avril, il y a 5 ans, tous mes amis africains étaient présents. Un miracle. Je vous remercie beaucoup. Pour Jean-Pierre, il m'a téléphoné il y a peut-être 2 ans. Mais à ce temps-là, j'étais toujours très fatiguée pour rien faire. Mais ce que je peux dire, que j'ai fait tout ce qui était possible. Avec mon ami Jean-Pierre, je ne regrette rien. Il a enrichi ma vie. Beaucoup. Merci Jean-Pierre. C'était un homme. On va inviter encore une personne qui a accompagné Jean-Pierre depuis qu'il est arrivé ici. C'est un ami qui est devenu un frère. Parce que dans la vie, on peut choisir sa famille parfois. On a une famille biologique. Mais dans la vie, on peut avoir une autre. Notre famille qu'on peut créer, ce sont ces amis-là qui sont avec nous. C'est ainsi que je vais inviter mon cher grand frère Jacques Mabiala, qui a été avec Jean-Pierre depuis des décennies. Alors. Je ne sais pas, bonsoir ou bonjour. Je suis Jacques Mabiala, à New York, là où j'ai vécu à New Jersey. On m'appelait Paul Fedger. J'ai connu Jean-Pierre avant même que je puisse le voir, le regarder en face. Il m'avait téléphoné pendant qu'il était dans la détention. On a fait des échanges. Mais dans la situation où je me trouvais, j'étais illégal. C'était pour moi difficile d'aller le rendre public. Et je crois que j'ai entendu aussi parler de cette dame. Jean-Pierre est sorti. Pour la toute première fois que j'ai vu Jean-Pierre, je l'ai vu à New Jersey en 1999. Donc nous sommes devenus frères avec Jean-Pierre. Je crois bien que dans certaines vidéos que j'ai publiées, vous allez voir un gars qui était court et lui était élancé. On était vraiment des jeunes. On a partagé beaucoup de choses ensemble. C'est vrai que chacun de nous a des côtés. Il y a le côté négatif et le côté positif. Je ne suis pas venu ici là pour tirer sur l'ambulance ou sur le corbillard. Je voulais justement expliquer, parce que dans la vie, quand nous sommes ici, nous devons avoir cette compréhension-là, de connaître et de comprendre la personne qui est en face de vous. Jean-Pierre était une personne qui avait un tempérament tellement high. Et devant une personne, il n'avait pas la langue de bois, il disait et il crachait la vérité. Et c'est cette vérité parfois, ça donnait de malentendus, de l'incompréhension. Jean-Pierre a aidé beaucoup de Congolais dans la détention. Pendant qu'il était dehors,
Jean-Pierre, moi, je l'avais même accompagné à la détention pour aider certains frères de Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, pour s'en sortir de la même situation qu'il avait. Jean-Pierre, il était un gars où, à tout moment, quand il arrive chez toi, il arrive dans une fête, c'est lui qui anime. C'est une personne qui avait la facilité de te donner, d'assister. Je crois bien que ce que je dis, c'est vrai que d'autres personnes peuvent aussi en témoigner. Jean-Pierre, au milieu de la nuit, que demain moi je déménage, I'm moving. Le matin, tu verras Jean-Pierre devant toi. Ouais. Et aujourd'hui, moi je suis fier. Pourquoi? Parce que j'ai participé dans sa vie. J'étais le ténor d'organisation de son mariage. Et aujourd'hui, Jean-Pierre, je suis encore le ténor d'organiser ce funérail. Et quand j'ai entendu que Jean-Pierre est mort, je n'ai pas baissé le bras. J'ai appelé et on m'a mis en conférence avec sa femme. Je lui ai dit ceci, chez nous les Bantous, la femme n'enterre pas son mari. Jean-Pierre a des frères ici. C'est nous qui sommes venus auprès de la famille pour faire le mariage. Donc, nous allons prendre la responsabilité. Et je remercie mon équipe parce qu'on a travaillé avec, avec faveur pour arriver aujourd'hui enterrer notre frère Kira. Ce n'était pas facile avec les embûches qu'on avait. Mais en tout cas, je suis fier. C'est vrai qu'il est parti. Et vous allez quand même, je voulais quand même dire aussi que dans la salle, nous avons des gens qui ont conduit, qui ont quitté le travail de Maryland, de Pennsylvania, de North Carolina, de South Carolina. Je crois que s'il était vraiment, vraiment mauvais, ces gens-là n'allaient pas dépenser leur temps pour venir assister et dire au revoir à Jean-Pierre. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur Jean-Pierre. Il était bon, il était aussi méchant pour certaines autres personnes. Mais il y a une chose, si c'est chaman avec toi ce soir, le lendemain il va chercher quelqu'un à l'accompagner chez toi pour faire la négociation. Voilà son côté. C'est vrai qu'il a été parfois mal trompé et chacun de nous a sa manière de vivre. Merci beaucoup de mon temps que vous m'avez écouté. Jean-Pierre Nguama, en tout cas, j'ai fait ce que je pouvais faire pour toi. Merci beaucoup. Merci, je vous remercie. Merci beaucoup de m'avoir accordé cette parole. Je vais être tout simplement bref par l'émotion qui caractérise un peu mon esprit maintenant. Je n'ai pas encore retombé parce que j'ai accompagné Jean-Pierre pendant 7 mois. C'est l'été, les 7 derniers mois de sa vie. Ensemble. Le destin nous a unis avec Jean-Pierre les jours de mon arrivée aux États-Unis. Je venais de l'Europe, de la Suisse, et Jean-Pierre était en état. Le destin nous a scellés. La première personne que j'ai rencontrée en détention, à qui je pouvais adresser la parole, en français, bien sûr, parce qu'on ne connaissait pas l'anglais. C'était Jean-Pierre. Il m'a dit, je viens de Brazzaville. Je lui ai dit, je viens de Kinshasa. Et depuis lors, nous sommes restés des amis. C'est pas pour rien. Il a choisi, auquel honneur, rien, qu'il choisisse de venir passer les derniers moments de sa vie à mes côtés. Dans la même chambre, de l'île opposée, on a échangé. C'était émotionnel. Mais j'aurais te dit une chose, parce que j'ai dit que je vais être bref, et que Jean-Pierre a beaucoup changé. Les derniers mots que je me souviendrai et que je transmettrai à ses enfants qui sont encore jeunes, ce que votre père a dit, la vie, les voitures, les habits, les embrouilles avec les gens, c'est rien. C'est rien, Rachidi.
Nous devons nous aimer les uns les autres. Partageons la vie ensemble. Moi, j'étais très touché quand il me disait ça. Mais je savais que il va revenir à la maison. Quand je suis allé me déposer à l'hôpital, cette nuit-là, et on a échangé avant que je ne quitte la salle d'urgence. Il m'a dit, vas-y, je vais te rappeler le jour où je vais me rétablir. Et j'avais l'espoir. J'ai dit, bon, je reviendrai le chercher. J'ai quitté l'hôpital à 23h, après avoir passé 4 longues heures à côté de Jean. Et quand l'hôpital m'a mis à côté, je voulais seulement communiquer avec son épouse Cathy. Alors, chaque fois que Cathy m'appelait, j'avais la peur, je n'ai jamais ressenti ça. Cathy voulait me parler, je me taisais, je me dis qu'est-ce qu'elle veut me dire, son épouse. Et alors, j'ai ressenti un pressentiment d'adieu. Et ce qui était évité est arrivé. Et Jean-Pierre nous a quittés. Je vais être prêt. Aimons-nous les uns les autres. Et c'est ça, oui. Mais tout le monde passera par là. Personne n'est éternel. C'est lui aujourd'hui, demain c'est moi, c'est quelqu'un d'autre dans la salle. Mais habituons-nous au rythme. Et merci au Seigneur Jésus. Parce que Jean-Pierre, dans ces derniers moments, il suivait la télé, il ne regardait que les émissions religieuses. Merci Seigneur pour ça. Et je remercie tout le monde pour être là. Nous allons accompagner notre frère à sa dernière demeure. Merci. Nous rendons gloire au Seigneur pour tout ce que nous venons d'entendre, pour tous nos bien-aimés qui venaient de passer ici devant pour parler de notre frère Jean-Pierre. C'est une grande bénédiction, je vous assure, de savoir que le Seigneur nous donne la vie pour passer ici sur la terre. Et cette vie n'est pas une vie au hasard, c'est une vie qui est préparée par Dieu lui-même. Parce que celui notre Créateur, il connaît notre premier jour que nous vivons sur la terre, il connaît aussi les derniers jours. Tout se trouve entre ses mains. Amen. Amen. Souvent c'est très difficile de porter la parole de Dieu dans des circonstances comme celui-ci. Et vous devez savoir que c'est le temps aussi propice que le Seigneur nous donne tout le temps pour que nous puissions revenir à lui en tant qu'humain. Jean-Pierre, c'est un homme que j'ai connu. À chaque instant qu'on se voyait, qu'on se rencontrait, il avait un sourire extraordinaire. Et il me donnait toujours la joie dans le cœur. Pourquoi? Parce que un homme, même si quand on dit qu'il avait le tempérament ici de suite, mais devant ma présence, un homme très respectueux. Très respectueux. Et je rends gloire au Seigneur à ce que, même avant que Cathy puisse quitter pour partir avec les enfants au Canada, nous avons eu le temps de prier ensemble. Quelle grâce! Mais bien aimé, la mort brise les liens. Et la mort provoque des douleurs dans les cœurs, des blessures. Le deuil comme tel laisse des blessures dans les cœurs. Et je me souviens quand la soeur Tati m'a téléphoné du Canada en train de pleurer. J'ai dit, ma soeur, je sais, pleure. Pleure. C'est important de pleurer.
C'est important de te refouler, c'est important. Pleurer. Mais, quand même tu pleures, sachez-le bien, qu'il y a l'espérance. Et bien aimé, c'est ça que je voulais partager aussi avec vous. Nous tous qui sommes venus ici et voir notre frère pour la dernière fois. De la douleur à l'espérance. C'est un temps de douleur, c'est un temps de pleurs, c'est un temps de blessures. Et ce sont des blessures internes qui sont difficiles, que personne ne peut voir. Mais sachez-le bien, qu'il y a quelqu'un qui voit les blessures de chacun de nous. Et c'est lui qui voit les blessures. C'est lui qui dit « Venez à moi » parce que c'est moi qui blesse. Et c'est moi aussi qui fait quoi? Qui guérit. Il est le Dieu qui blesse, il est le Dieu aussi qui guérit. C'est pourquoi de la douleur à l'espérance. Pourquoi le Seigneur veut nous donner cet encouragement maintenant? C'est parce que, et bien aimé, il y a des fois où, quand nous vivons, nous oublions un peu ce temps ici, comme notre frère venait de dire que aujourd'hui, c'est notre frère que nous sommes en train de voir, mais vous ne savez pas demain, ça sera qui. Et que nous tous, nous passons sur le même chemin. C'est le chemin de tout le monde. Personne ne dira que non, moi je ne passerai pas par là. Personne. Mais alors, si nous savons que nous allons passer par là, le Seigneur nous demande de nous préparer. Comme nous sommes encore vivants, comme le Seigneur nous compte encore sur les nombres de personnes qui sont vivantes, c'est le temps que nous devons préparer notre départ. Je voudrais vous faire rappeler un peu l'histoire de Jésus-Christ avec son ami Lazare. Lazare est mort et Jésus n'était pas là. Et après la mort de Lazare, après 4 jours, Jésus arrive et il y a la sœur de Lazare, Marthe, qui va rencontrer Jésus. Elle dit, oh Seigneur, si tu étais ici, notre frère n'allait pas mourir. Si tu étais là, notre frère n'allait pas partir, n'allait pas mourir. Mais il y a quelque chose que Marthe a ajouté. Je sais une chose, que tout ce que tu demanderas à ton père, il le fera pour toi. Tout ce que tu demanderas. Jésus le regarde et dit, waouh, quelle foi, tout ce que je peux demander à mon père va le faire. Alors Jésus regarde Marthe, écoutez ce que Jésus lui dit. Marthe, écoute, même si ton frère est mort, mais il ressuscitera. Même si ton frère est mort, mais il ressuscitera. Marthe dit, oui, je sais, Seigneur, je sais. Il ressuscitera les derniers jours, ça je le sais. Jésus le regarde et dit, non. Toi, tu penses que c'est le dernier jour? Non, non, non. Moi que tu vois là, je suis la résurrection et la vie. Si quelqu'un est en moi, même s'il meurt, il vivra. Waouh! Quel message! Marthe regarde Jésus. Elle n'a pas répondu, hein. Ce qu'elle a fait, elle est partie trouver sa sœur Marie. Notre ami est là. Jésus est venu. Va le voir. Il te cherche. Quel encouragement. Mais jusque-là,
Marthe ne savait pas que Jésus avait le pouvoir de ressusciter leur frère. Juste à ce que Jésus a demandé, où est-ce que vous l'avez mis? Montrez-moi l'endroit. Ils sont partis au cimetière. Ils arrivent là-bas. Quand Jésus avait vu Marthe, Marie et les autres qui étaient là en train de pleurer, Jésus a eu compassion dans le cœur. Et Jésus pleura. Pourquoi Jésus a pleuré? Ce n'est pas parce qu'il n'était pas capable de ressusciter Lazare, mais il a pleuré parce que il savait que perdre une personne chère n'est pas facile. C'est dur. Il y a des blessures à l'intérieur. Et que quand il voyait Marthe et Marie en train de pleurer, Jésus a eu compassion. Mais bien aimé, croyez-le, que Jésus a compassion de nous. Cathy, même si tu n'es pas là, avec les enfants, croyez-le, que Jésus a compassion de toi et des enfants. Jésus a compassion de nous tous qui sommes ici. Jésus a compassion de tout celui qui est touché par le départ de notre frère Jean-Pierre. Il voit. Et Jésus pleure aussi avec nous. Mais une chose qui est importante, c'est que Jésus n'est pas seulement resté à pleurer. Il est parti plus loin pour demander ôter la pierre. Ôtez la pierre que vous avez mis là-bas. Et Marthe dit, oh non. Seigneur, tu ne comprends pas. Ça fait déjà 4 jours qu'il est là. Il le sent déjà. Jésus tourne la face et dit, Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et Marthe s'est dit, waouh, ok, je vais voir, qu'est-ce qui va se passer? Et mes bien-aimés, Lazare était ressuscité. Pour pouvoir dire que tout ce que Jésus dit est la vérité, nous sommes à nu devant Dieu. Mais comment est-ce que toi tu prends ton temps dans la préparation? Pendant ce temps où nous sommes en train de nous préparer, croyez-le qu'il y a l'espérance. Mais notre espérance se trouve en Jésus-Christ. Baissons nos têtes et nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci parce que tu es grand, tu es bon, et tu es merveilleux. Tout ce que tu fais est bon à ton temps. Seigneur, notre frère est arrivé à 60 ans. Tu savais, rien, Seigneur, tu ne t'étonnes, car tu connais la vie de chacun de nous. Et Seigneur, aide-nous à bien compter nos jours, afin que nos cœurs puissent revenir à la sagesse, afin que nous puissions te chercher et nous cacher en toi qui donne la vie. Toi qui es la résurrection, toi qui es la vérité et toi qui es la vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Isso.
Dieu, nous te bénissons, nous te rendons gloire parce que tu es Dieu, toi le Créateur. Tu nous as créés à ton image, tu as soufflé ton souffle en nous, Seigneur, pour que nous puissions vivre, pour que nous puissions respirer, pour que nous puissions marcher, parler, faire tout, Seigneur. C'est toi qui as soufflé ton souffle en nous. Et Seigneur, c'est toi aussi qui prends ton souffle quand tu le veux. Maintenant, Seigneur Dieu, en ce Dieu, déposez notre Père dans le Seigneur Père, Seigneur des cœurs. Éternel notre Dieu, nous demandons, Seigneur Dieu, que son âme se dépose en paix. Que, Seigneur Dieu, tu sois avec lui dans cette terre où il va se reposer. Éternel Dieu tout-puissant, nous te rendons gloire parce que tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est toi qui règnes pour des siècles et des siècles. C'est pourquoi, Seigneur Dieu, nous prions à ce que tu puisses penser, Seigneur Dieu, à la veuve qui vient de rester, Seigneur Dieu, Mama Cathy, et aux enfants, Seigneur, qui sont devenus orphelins de père, de les protéger, de les garder, de les soutenir au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, merci parce que c'est toi, Seigneur Dieu, notre secours, c'est toi notre consolateur et c'est toi notre soutien. Il n'y a point d'autre. Nous nous abandonnons entre tes mains et nous abandonnons aussi, Seigneur Dieu, le corps de notre frère en ce lieu où il va se reposer en paix et que ton nom seul soit élevé au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié et nous disons Amen. Il devrait avoir une audio de la famille pour dire un mot selon les rituels de notre terroir. Mais l'audio n'a pas été clair, c'était trop long et nous n'allons pas garder tout le monde ici. Nous n'allons pas nous garder ici longuement. Avec votre permission, avec la permission de la famille depuis le Congo, je vais dire un mot rapidement en m'adressant à notre cher grand frère. Le doyen vient de dire quelque chose, mais je vais juste essayer de... parce que j'ai suivi la vidéo, et d'abord la vidéo, l'audiovisuel, mais c'est trop long. Je vais essayer d'interpréter ce qu'ils ont pensé dire au grand JP. Grand frère, j'aimerais bien parler peut-être... en bémbé, mais tout le monde n'est pas censé comprendre le message que je dirais dans notre langue du terroir. Ici, je vais traduire le message que j'ai lu en condensé. Tu as vécu depuis que tu étais au Congo. Tu es arrivé ici aux États-Unis.
pendant plus de deux décennies que tu as existé ici. Et maintenant, l'heure est arrivée pour toi de rejoindre nos aïeux. La terre est la même partout, mais elle n'a pas les mêmes éléments partout. Elle est différente. Mais comprends que tu devrais te reposer dans ton terroir. Mais le temps et l'espace ne permettent pas que cela soit fait. Parce que tu as laissé ta progéniture dans cette terre-là, nord-américaine. Voilà pourquoi nous voulons te dire que ces enfants-là sont restés entre de bonnes mains. Que tu ailles de l'autre côté, c'est un mur qui nous sépare. Que ces enfants-là soient protégés. Que tu ne puisses pas avoir du souci pour ces enfants et cette femme que tu as laissée, que tu aimais beaucoup. Il faut les laisser continuer cette vie que tu leur as donnée. Va tranquillement. Ne pense pas à nous qui sommes restés ici. Parce que nous avons le même chemin. Notre finalité aussi ça. Tu ne fais que nous précéder. Yen Boubouete. Ne regarde pas derrière. Nous te prions, ne regarde pas derrière. Ils seront en paix. Comme tu as toujours aimé les garder en paix et dans ton amour. AJP, tout est accompli pour toi. Comme on le dit tout à l'heure, c'est juste un mur. Nous aussi, nous viendrons. Va en paix. Je répète encore, va en paix. Va en paix et laisse les autres en paix. Ta femme, qu'elle reste aussi en paix. Voilà le court message que je voulais traduire ici. Bien un jour tourner de page, et ce sera la fin de mon voyage. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour. Hey,
tikanga na boloko Yaya otikanga na bwale Yaya otikanga na basimawa.